Le prophète de la musique arabe vit seul désormais, puisque le fils qu'il s'était choisi est mort. Il laisse à d'autres le soin de veiller sur ses souvenirs et celui d'Asmaan, la sœur disparue dans des circonstances mystérieuses. Alors nous sommes venus ici en Égypte. Ma mère, elle nous a amenés ici. Moi, j'avais peut-être 9 ans, 10 ans, et mon frère, 7 ans, et ma sœur. Farid et moi, nous étions pensionnaires chez les frères. Nous avons appris la langue française. Et mon frère était dans l'église. C'est-à-dire qu'il a chanté plusieurs fois toutes les choses, de le cantique et le catéchisme et tout ça, mon frère Farid. Et ma sœur aussi, et plusieurs fois, elle a chanté les choses dans l'église. Et après, mon frère, il était chez le pour apprendre le oud et après, le guitare, c'est-à-dire. Et enfin, nous avons travaillé, nous sommes venus. Nous n'avons pas d'argent. Et elle a chanté mon frère et après ma soeur. Et enfin, ça passait. ماليش حبيبي ملا قلبي وينور الكون حواليا والوحدة والأشجان جنبي والدنيا دائت